Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera sur mes achats que j'ai fait chez Action donc hier. Et donc j'ai trouvé pas mal de petites choses, notamment tout ce qui est eh ben Noël. Et par contre, bah, j'ai pas trouvé, enfin il n'y avait plus de blocs papier 30x30 et en 15x15, mais bon. Soit ils approvisionnent pas assez ou ça part comme des types. Hein. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors pour commencer, on a trouvé des petits bonhommes de neige. Donc super mignons. Donc il y avait vert et bleu et donc il en restait plus que 4. Donc du coup on a pris les 4. Du coup, j'arrive pas à remettre la main sur le ticket de caisse, mais c'est pas excessif. Hein. Mais là, de tête, j'ai plus les prix. Ensuite, j'ai repris donc de la dentelle. Voilà, ensuite j'ai pris ces petits embellissements. Donc soit pour mettre sur le sapin ou décorer l'intérieur. Donc tout ce qui est bois comme ça, j'adore. Donc il y avait des cœurs et des étoiles. Voilà, ensuite j'ai trouvé ces petits embellissements en bois, donc trop mignons. Donc pareil, soit accroché sur le sapin, mais moi je pense que je vais le faire sur mes cartes. Donc ça peut être sympa pour des cartes d'enfants. Donc il y a ce modèle-ci. Ensuite, le petit oiseau. Et le petit renne. Donc j'ai trouvé ces petites décorations en bois, donc des sapins de Noël. Pour mettre dans le sapin. Ensuite, j'avais pris aussi cette dentelle là, donc en grise. Elle est super jolie. Ensuite, on a trouvé des petits oiseaux comme ça. Ils sont trop trop mignons. Donc c'était moins d'un euro. Hein. Ça c'est sûr. Ensuite dans une vidéo de Killer où elle avait présenté son mini album, j'avais vraiment bien aimé donc ces décorations là. Et du coup bah, je les ai trouvées. Action, donc pareil c'est moins d'un euro. Donc j'ai pris ce motif là et les petits papillons. Ensuite j'ai repris du masking tape. Ensuite j'ai trouvé donc ces tampons là avec les encres intégrées, donc ça coûtait pas loin de 2 euros, c'était 1,99
ou 2,99, mais ils sont trop trop beaux. Ensuite, j'ai pris ce lot de pour faire les cartes, donc les enveloppes. Donc, quelle couleur blanc, vert, vert d'eau, couleur or et kaki. On a trouvé des petites serviettes. Donc j'ai pris un autre lot de dentelles. Je sais pas si on va vraiment bien voir. Ensuite, donc j'ai trouvé ces chipboards pailletés bleu turquoise. Et je les ai pris en or. Ensuite, j'ai trouvé, c'était le dernier, des brushes stylo. Bon, j'ai jamais testé, donc on va voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai repris des perles, donc comme ceci. Bon, je vous l'avais déjà montré dans la dernière vidéo. Et puis, j'ai repris des perles blanches. Voilà, ensuite... Donc j'ai trouvé ces mini enveloppes. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Donc il y avait plusieurs modèles différents. Ensuite j'ai repris ces stickers là, donc style vintage. Ensuite, pour les stickers Noël, donc il y avait pas mal de choix. Il y avait trop de choix. Donc j'ai pris cette planche là. Qui sont en 3D. Celui-là, ensuite. Celui-là. Ensuite, celui-là. Donc j'ai pris celui-là en deux exemplaires et celui-ci. Celui-ci est trop beau. J'aime beaucoup celui-là. Ensuite, oui, donc j'ai repris des mousses 3D.
ça part tellement vite. Ensuite, j'ai pris donc les planches de chipboard. Donc j'ai pris cette planche là, donc je l'ai pris en deux fois. Elle est juste magnifique. Donc celle-ci en deux fois. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Celle-ci aussi est trop mimi. Et pour terminer, j'ai pris celle-ci. Donc il y en a quelques-uns qui sont pailletés. Et c'est juste trop beau. Donc voilà pour... Ah oui. Rien à voir avec le scrap, mais je voulais vous les montrer quand même. C'est des bols en mélamine. Et ils sont juste trop beaux. Donc j'ai pris en deux fois. Ensuite celui-ci. Et celui-ci. Voilà. Et pour terminer, on a un petit peu craqué sur des Pères Noël. Donc il y avait, je crois qu'il y avait deux tailles différentes. Donc pour commencer, donc celui-ci. Donc il est trop trop beau. Et franchement pour le prix, en petit, il était à 5 ou 6 euros. Voilà pour la taille. Et ensuite le plus grand. Donc il était à 9 euros et quelques. Alors. Il est magnifique. Les détails sont sublimes. Et on en voulait un de cette taille-là. Donc trop trop beau. Et ensuite pour finir, on a fait un petit tour à Ikea. Et j'ai trouvé ces petits embellissements-là. Donc des petites étoiles argentées. Donc j'en ai pris de l'eau. Et elles étaient à alors 49 ou 50 centimes. Et ensuite celui-là. Donc pareil, 49 ou 50 centimes. Et pareil, je l'ai pris en deux fois. Donc voilà pour mes petits achats. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une très prochaine vidéo. Ciao !